savoir s'asseoir un petit peu sur son ego, réellement. Quand on vous donne une note ridicule et stupide, il faut savoir dire, laissez-moi y réfléchir. Il ne faut pas dire, ah j'adore, merveilleux, parce qu'après les gens pensent qu'on va le faire, mais je dis, laissez-moi y réfléchir. Et trois mois après, on peut l'avoir essayé au montage, etc., ou à l'écriture, et dire que ça ne marche pas. Mais les gens veulent apporter leur petit grain de sel, parce que c'est un travail d'équipe, l'équipe de production, l'équipe de studio, etc. Non, il y a un seul truc qui est une constante, sur tous les films que j'ai fait en tout cas, c'est qu'on vous engage pour quelque chose, c'est-à-dire qu'en tant que réalisateur, vous pitchez votre univers, vous vendez ce que vous voulez faire réellement au producteur ou au studio. Voilà, c'est ma vision du film. Et il y a un moment, deux mois, trois mois, en milieu de la préparation ou pendant le tournage, où on vous demande de faire exactement l'inverse de ce pourquoi vous avez été engagé. Finalement, le système américain est assez sain, puisque ni le studio, ni le réalisateur n'a la science infuse. Et finalement, on teste les films énormément, test public. Et c'est finalement le public qui décide, qui nous dit ce qui marche et ce qui ne marche pas dans notre film. Après, bon, maintenant, j'ai plus de métier. Maintenant, je suis producteur de mes films, je suis producteur d'autres films. Mon poids est plus important à Hollywood, donc c'est peut-être plus simple, un petit peu plus simple. Non, il y a 10 ans, c'était drôle, parce que 10 ans, je me disais, ah, tous ces acteurs, cette manne gigantesque d'acteurs, je vais pouvoir travailler avec eux, etc. Et finalement, on se rend compte que c'est comme partout. Il y a une ou deux, trois personnes qui sont bonnes pour le film. Et si ces personnes ne sont pas libres ou disent non, voilà, c'est très compliqué de faire le film. Pendant les 10 ans où j'ai travaillé aux États-Unis, où j'ai vécu à Los Angeles, le cinéma a complètement changé. Vraiment, on a fait un 180 degrés. Le cinéma guidait la télé, maintenant la télé guide le cinéma. La télé n'existe plus, le cinéma n'existe plus vraiment. Les codes ont été cassés, ce qui rend mon travail plutôt agréable en fait, parce que j'ai plus de formats pour raconter des histoires. Avant, on avait un ou deux formats, c'était soit un cinéma, soit peut-être une série. Enfin, en tant que réalisateur de cinéma, on pouvait faire peut-être un pilote. Puis ensuite, les pilotes étaient changés et devenaient des séries qui marchaient pas. Mais maintenant, grâce à Netflix, grâce à Amazon, etc., on peut vraiment faire... Bah, c'est toujours du cinéma, mais c'est du cinéma découpé avec des cliffhangers, coupé différemment. Je trouve ça très agréable.